Bonjour tout le monde, comment allez-vous aujourd'hui? Bienvenue à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien cet après-midi. Bonjour, bonjour, coucou ma Sandrine, coucou Martine, bonjour Evelyne, Héloïse, Nathalie, bienvenue à toutes et à tous, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour notre tout premier live créatif de l'année, je suis super contente de vous retrouver. Bonjour Sandrine, comment vas-tu? Eh bien, écoute, ça va. Coucou Mumu. Hello Sandrine. Coucou Nadine. Bonjour, bonjour tout le monde. Et oui, je vous le disais, premier live créatif de l'année 2022. La semaine dernière, c'était le premier épisode des portes ouvertes virtuelles. Et là, aujourd'hui, on se retrouve pour réaliser ensemble une carte pop-up. Toute simple, hein, vous allez voir, le mécanisme n'est pas compliqué du tout. Donc, une carte ou possiblement aussi. Une page d'album que vous pouvez, voilà, une carte que vous pouvez insérer dans un album, ça c'est vous qui verrez. Coucou Anne-Lise. Alors, je n'ai pas encore mon papier, j'attends mini kit, donc je regarde juste. Oui, bien sûr, il n'y a pas de souci. Voilà, il va falloir patienter encore un tout petit peu pour les échantillons, le temps qu'ils m'arrivent et que je les prépare. Mais patience, patience, ça va venir. Coucou ma Cécilia, tu vas bien? Hello Martine. Alors, un an aujourd'hui que je suis tes lives, j'ai fait le bon choix, tu es une fille géniale. Merci Martine, c'est trop mignon. Hello Marilène, comment tu vas ma belle? Ton cadeau est parti, je l'ai déposé aujourd'hui. Coucou Véronique, hello Muriel. Hello Patricia, merci, meilleurs voeux à toi aussi, meilleurs voeux à toutes et à tous. On peut encore se souhaiter la bonne année. Donc vraiment plein de bonnes choses à vous tous, le meilleur possible en tout cas, je vous le souhaite du fond du cœur. Coucou Viviane, comment vas-tu? Hello Isa. Hello Émilie, pile poil à l'heure, ça j'adore. Bravo, trop forte. Happy Armo anniversaire. Oh la vache. Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pour celles et ceux qui me rejoignent aujourd'hui pour la toute première fois, d'abord je vous souhaite vraiment la bienvenue. J'espère que vous passerez un bon moment en notre compagnie. Vous allez voir, si vous suivez un petit peu les commentaires des participants, vous allez voir qu'en général il y a une bonne ambiance, ça rigole pas mal. Donc j'espère que vous passerez un bon moment et puis n'hésitez pas surtout à me faire un petit coucou dans les commentaires. Si vous me rejoignez pour la première fois, je serais ravie de vous accueillir. En tout cas, bienvenue. Voilà, c'est vraiment ce que j'ai envie de vous dire. Bienvenue, éclatez-vous, oubliez tout ce qui se passe autour et puis partagez cette petite heure avec nous juste pour le plaisir. Tout anniversaire est bon à souhaiter. Oui, ma Sandrine, je suis tout à fait d'accord avec toi. Tout anniversaire est bon à souhaiter, surtout quand il est question de faire plaisir à quelqu'un. Donc, bonne idée, excellente idée. Alors, dans les petites infos, cette semaine, vous le savez, nous sommes en pleine promotion Celebration. Pour celles et ceux qui ignorent ce que c'est une période promotionnelle de 2 mois, donc qui a démarré le 4 janvier, qui se terminera le 28 février. Et dans cette promo, qui dit promo dit cadeau, évidemment, hein, ça correspond un petit peu à une plus grande période de solde, même si les produits ne sont pas soldés, mais c'est une grande période en fait. Et du coup, lorsque vous passez des commandes, eh bien, vous avez un choix parmi plus d'une dizaine de cadeaux par tranche des 60 euros d'achat et par tranche de 60 euros. Des cadeaux tous aussi magnifiques les uns que les autres. Vous avez des sets de tampons, vous avez du papier imprimé. Vraiment, ils sont extra. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choix. Des choses qui sont coordonnées avec des produits du mini-catalogue aussi. Donc, vous pouvez vraiment, vraiment vous éclater pendant cette celebration. Coucou Nati. Ça va ma belle? Hello Brigitte. Pardon. Bah écoute, oui, ça va pas trop mal. Je viens de vous citer la première partie de la Celebration, mais il y en a une deuxième. Et quelle est-elle? Est-ce qu'il y a d'ailleurs parmi vous des personnes qui savent quelle est la deuxième partie, les deuxièmes infos qui concernent donc cette Celebration? Coucou Karine, ça va ma belle? Coucou Louison.
Ma petite commande arrive demain. Petite commande, j'aime bien les guillemets. Bon, ben c'est parfait, si elle arrive demain, je suis bien contente. Alors, la deuxième partie de cette celebration concerne les personnes qui vont devenir démonstratrices. Je vous explique. Oui, Héloïse, bravo! T'as tout à fait raison. Rejoindre ma famille, c'est tout à fait ça. En rejoignant mon équipe pendant la celebration, vous pouvez faire, vous allez faire jusqu'à 107 euros d'économie à l'achat de votre kit de démarrage. Je vous explique. Au départ, vous choisissez pour 175 euros de produits et vous n'en payez que 129. Mais en plus, Stampin' Up! Vous offre deux sets de tampons parmi les deux catalogues en vigueur en ce moment, c'est-à-dire l'annuel et le mini qui est tout chaud là, qui vient tout juste de sortir. Et même dans les plus chers, c'est-à-dire que par exemple, si vous choisissez deux sets de tampons qui sont à 30 ou 31 euros, regardez, je vous montre ça tout de suite, eh bien voilà, on est bien aux 107 euros d'économie. C'est juste un truc de dingue! Sincèrement, quand j'ai rejoint Stampin' Up! Il y a 2 ans, eh ben les cadeaux, ils n'étaient pas aussi bien. Ils étaient super bien, mais pas aussi bien que cela. Alors du coup, eh bien, ne vous posez plus la question, venez rejoindre la team Harmony Scrap, et puis voilà, profitez-en pour vous faire plaisir. À chacune de vos commandes, vous aurez 20% de réduction, puis ça peut augmenter un petit peu aussi par la suite, mais ça, on en parle ensemble. Je pense que c'est le moment idéal en cette période où tout nous prend la tête, et eh bien pourquoi on ne se ferait pas plaisir? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi maintenant j'ai décidé de penser à moi et de me faire plaisir. Et puis parce que je pense qu'on y a droit, hein, on est bien d'accord, et ça fait pas de mal. Voilà. Si vous avez des questions, bien sûr que je suis là pour y répondre et je le ferai avec grand plaisir. Et j'en profite pour souhaiter officiellement la bienvenue à ma nouvelle filleule, Sandrine Potet, qui m'a rejointe depuis vendredi dernier. Donc bienvenue à toi ma belle. Et je te souhaite une très très belle aventure Stampin' Up. Coucou Muriel, comment ça va? Alors, qu'est-ce qu'il y a dans les commentaires? Coucou Muriel. Combien de kilos ton carton est su, Sandrine? Ah, ça va être la surprise demain. Tiens, vous allez. Et ben voilà! Un nouveau petit jeu. Devinez le poids du colis de notre chère Sandrine qui a passé une petite commande. Hein? Dites-moi, à votre avis, il va peser combien son colis? On vous donnera ça. Hein? Je dirai ça demain, je verrai le livreur UPS s'il sort le chariot élévateur. Ah bah quand même. Coucou ma Fabienne, plein de bisous à toi ma bichette. Alors, 7 kilos, bon Louison, on note, hein, et puis on verra demain, allez-y, les pronostics sont ouverts, je vous en prie. On verra demain, on vous donnera la réponse demain, hein, Drin Drin, t'oublie pas. J'adore. Un carton ne suffira pas. Ah, carrément. Si, quand même. Ah, je peux vous dire quand même que ça sera son sa commande tient dans un seul carton. Donc voilà, on est quand même un peu fixé. On met un petit cadre quand même. Tu regarderas, c'est marqué sur l'étiquette. Oui, bien sûr, exactement. Exactement, le poids est marqué sur les étiquettes des colis. Alors, Muriel nous dit 6 kilos. Louison nous dit 7 kilos. Bon. Allez-y, à vos pronostics. Allez, c'est parti. Je vous propose qu'on rejette un petit coup d'œil sur la carte qu'on va réaliser aujourd'hui. Donc, comme je vous le disais, soit en version carte, soit en version à insérer en fait dans un album photo, puisque le mécanisme est très simple. Coucou Marie, tu vas bien ma belle? Donc, ça peut être très facile. Elle peut déjà le savoir sur le suivi. Oui, exact. Exact, exact. Mais elle va pas nous le dire tout de suite. On va attendre demain quand même. Laissons un petit peu toutes les personnes qui nous suivent, qui partagent ce live avec nous, donner leurs pronostics.
Coucou ma Cathy, ça va ma belle? Plein de gros bisous à toi. Marie, oui, je regarde du boulot. Oh la chipie! Chut, faut pas le dire. Alors, cette petite carte pop-up, elle est très simple. Vous allez voir, le mécanisme est très très facile à réaliser. Donc, voilà comment elle se présente, toute simple. Et hop, c'est magique. Voilà. Ici, vous allez pouvoir mettre une photo. Bien sûr, si vous l'insérez dans un album, vous pouvez aussi rajouter des plus petites photos ici, sur l'intérieur de la carte. Et puis, rajouter un morceau de papier blanc à l'arrière pour écrire un petit mot si vous décidez de la faire en version carte à envoyer. Voilà, coucou ma Laurence, ça va ma belle. Muriel, qu'est-ce qu'on gagne si on trouve rien? Juste le plaisir de partager, de faire un petit jeu, voilà. Pour une fois, juste pour le fun. Donc voilà, cette carte que j'ai préparée donc pour la présentation de ce live est réalisée avec la super collection Petits mots doux, qui est dans le mini catalogue, bien sûr. C'est une de mes collections coup de cœur, celle que j'ai utilisée par exemple, notamment pour vous envoyer vos mini catalogues. Vous savez, je vous ai préparé un petit tag avec une petite sucette. Je peux vous le remontrer si vous voulez. Hop. Voilà, donc ça, c'est le petit cadeau qui est joint donc au mini catalogue quand on me le demande. Donc, classeur d'embossage ici, Vichy. Alors, voilà, vous l'avez percevé mieux si je zoome. Le papier design ici avec les magnifiques découpes que je vais vous montrer, bien sûr. Et du coup, j'ai trouvé une petite sucette qui est parfaitement coordonnée au papier. Donc voilà, ça coulait de source. Voilà ce que j'ai envoyé. Ma fille a adoré la sucette. Oui, Marie. Écoute, tant mieux. Si elle l'a trouvée bonne, ça me fait plaisir. Donc voilà ce petit tag. Merci Louison, c'est gentil. Voilà la collection. Donc ici, je vous présente le papier design qui est vraiment trop mignon. Alors, très axé, vous allez me dire Saint-Valentin, mais pas que, puisque vous voyez bien que là, je l'ai transformé en anniversaire, donc c'est tout à fait possible. Ici, vous avez donc le papier recto verso à chaque fois. Il fonctionne deux par deux. Et puis, comme vous le savez, le fer de lance de notre cher Stampin' Up, ce sont les papiers coordonnés, la coordination des couleurs. Donc, avec tous ces magnifiques papiers design, les principaux papiers unis qui sont coordonnés, le rouge rouge, pétale rose, tellement safran, grenouille guillerette, piscine partie et horizon de bruyère. Donc grâce à ça, pour vous qui débutez ou qui n'êtes pas très à l'aise avec la coordination des couleurs, et bien avec Stampin' Up c'est l'idéal parce que du coup, aucun risque de faire des fautes de goût sur le mélange des couleurs puisque vous savez exactement quelle couleur unie utiliser avec votre papier imprimé. Donc ça, c'est un vrai bonheur. Alors, coucou Gaëlle, ça va ma belle? Ça fait un moment, dis-moi, quoi de neuf? Moi aussi, la mienne n'a pas eu le temps de me la choper cette fois. Ben oui, d'habitude, les petits bonbons, les petits chocolats, hop, Périnette, elle les embarque. Et ben là, non! Cette collection, elle est accompagnée de tampons et de poinçons qui sont juste incroyables. Je vous les ai mis ici. Donc ici, vous avez tout ce qui concerne les tamponnages ainsi que tous les petits cœurs, bien sûr. Hein, vous voyez, à partir du moment où il y a des contours dessinés et des textes, ce sont des tamponnages, mais bien sûr avec toutes les découpes qui sont coordonnées. Ici, vous avez donc la découpe de la petite enveloppe que j'ai découpée ici, notamment. Coucou Corinne, ça va très bien. Et toi aujourd'hui, comment vas-tu? Je suis contente de te revoir ici. Vous avez ici toujours des étiquettes, là encore, des frises de petits cœurs avec les petits cœurs qui peuvent se retirer ou être laissés. Ça, c'est au choix. Idem ici, mais ils sont par trois. Une mini étiquette ici, encore une fois. Je l'ai utilisée là. Vous voyez, la toute petite étiquette. Coucou Fabienne, comment vas-tu? Hello Lynn, comment ça va? Ici, moins 30. Ah oui, bah au Québec. Oui, j'ai Nancy qui disait hier qu'il faisait jusqu'à moins 30.
C'était juste incroyable. Alors, ils sont trop bons, les trop beaux, les tampons, mais question poinçon, c'est quoi? Alors, c'est les dyes, ma biche. Les poinçons, c'est les dyes en anglais, tout simplement. Donc, ce sont les. Regarde, ben, je les ai pas là. Je vais t'en montrer. Hop. Bouge pas. Voilà. Donc, ça, ce sont voilà, les poinçons, donc en métal, qui permettent de découper le papier. Donc, c'est là que tu vas bientôt avoir besoin de ta machine de découpe. Donc, il est largement temps que le 3 mars arrive à grands pas. Donc, voilà. Alors, ça va, l'horaire est compliqué pour moi le mercredi, mais je suis de loin, vous me manquez tous. Mais toi aussi, tu nous manques, ma petite gueule. C'est pour ça que je te disais, ça fait longtemps. Troisième dose, Corinne. Ah, je sais ce que tu veux dire. Je l'ai eu lundi dernier, ça m'a mise à plat pendant 2 jours. C'était l'horreur. Sois pas désolée, Marie, je suis là pour ça. Ça me fait un grand plaisir de pouvoir répondre à tes questions. Et continue à me les poser. Je suis là pour ça. T'inquiète, je harcèle mon chéri, le pauvre. Il me connaît pas encore, mais il va me détester avant de me connaître. Bah voilà, tu vois, même Drin Drin, elle le sait, t'es au bon endroit. Voilà, exactement. Donc voilà toutes ces petites découpes, tout ce que vous pouvez faire avec cette magnifique collection des petits mots doux. Aujourd'hui, je vais utiliser un autre papier. Je vous en ai parlé lors de mes portes ouvertes. C'est un de mes papiers chouchou de la Celebration. Celui-là, il vous est offert des 60 € d'achat. Et je l'adore. C'est simple, je l'adore. C'est mon préféré de tous. Il est juste magnifique. Trop beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez. J'espère que. Je ne sais pas s'il y en a qui, comme moi, ont craqué dessus. Mais vraiment, beauté marbrée, dans la brochure Celebration, il est juste incroyable. Incroyable. Donc aujourd'hui, je vais travailler avec ça. Et notamment avec aussi une de mes couleurs fétiches qui est le béguin bleu. Donc voilà la base avec laquelle je vais travailler et je vais associer à cela le lot des coccinelles. Voilà, je me suis dit que pour changer, j'allais faire une coccinelle bleue. Et ben pourquoi pas? Du coup, je vais utiliser le set de tampons Coucou Coccinelle. Voilà, qui est coordonné avec la perfo. Du coup, c'est nickel pour découper donc la grande coccinelle, ça va être trop joli. Et voilà, hein, bah oui, j'ai décidé de faire ma coccinelle bleue. Et pourquoi pas? Voilà, donc ça, le lot, il est dans le mini catalogue, c'est disponible en ce moment. Donc n'hésitez pas si vous avez craqué dessus, bah, c'est le moment de vous faire plaisir. Et du coup, j'ai oublié d'enlever toutes mes alarmes de mercredi dernier pour la chasse au trésor. C'est ballot? Bah, je les enlèverai après, faut que j'y pense. Je suis désolée. Donc voilà ce avec quoi je vais travailler aujourd'hui. Alors, si vous êtes prêts, on va démarrer tout de suite avec la base de la carte. Martine, tu l'as reçue? Ah, cool. Et il te plaît du coup, hein. Ouais, il est beau, hein. Alors, j'aime bien les coccinelles autres que rouges. Ah, bah oui, anticonformiste. On est d'accord, on se fait plaisir. C'est le seul but, en fait, de ce loisir créatif, c'est de se faire plaisir et de ne jamais se mettre de barrière. Voilà, ça c'est dit, maintenant on y va. Allez, c'est parti. Tu as raison, il faut savoir sortir de la réalité. Exactement. Il y en a bien qui voient des éléphants roses. T'as raison, Héloïse, je suis bien d'accord avec toi. Alors, c'est parti, on y va. Pour la base de la carte, donc, j'ai pris un morceau de papier qui mesure 24 par 14 cm. Donc là, vraiment, basique, hein, je vais passer assez rapidement là-dessus. Donc, une base unie 24 par 14 avec un pli sur le bord long à 12 cm. C'est ni plus ni moins que la moitié de 24. Donc là, jusque-là, normalement, ça devrait aller. Vous devriez vous en sortir, même si vous êtes débutante. Je fais juste ce petit passage de plioir pour supprimer ces vilains petits bourrelets qui m'agacent à chaque fois. Voilà. Donc, je vous l'ai dit l'autre jour, hein. Hop, si vous avez des petits bourrelets au moment de la coupe de votre papier, tout simplement, vous repassez, voilà, votre plioir et du coup, ça aplatit le petit bourrelet. Non, ça ne marche pas sur nous. J'entends déjà d'ici Nati. Non, ça ne marche pas sur nous. Ok, donc ça, c'est pour la base de la carte.
Donc là, rien de compliqué, hein, je rappelle, même si vous êtes débutante, 24 par 12, un pli au centre sur le bord long à 12 cm. Je préfère me concentrer sur le mécanisme qui n'est absolument pas compliqué, mais qui peut poser problème à certaines, donc on va faire ça tranquillement. Hello Florence, comment ça va? Alors, Véronique qui me met un petit message mais que je ne peux pas lire, je suis désolée. Je le verrai probablement après le live. Ah si, ça y est, coucou Véronique, comment ça va? Dommage, même pas un ou deux petits bourrelets, c'est sûr. C'est sûr. C'est sûr et certain. Ok, je mets ma base de cartes de côté pour l'instant. Hop, et je vais prendre le reste. Alors, on va s'occuper tout de suite du mécanisme de la carte pop-up. Donc, quand je parle de mécanisme, c'est ce petit morceau de papier ici sur lequel on va faire des plis et des découpes, voilà, pour qu'il y ait cette mobilité, voilà, de la partie intérieure. Coucou Florence, ça peut aller, je te remercie, j'assiste pour la première fois à tes lives. Bienvenue Florence, en tout cas je suis ravie de t'accueillir, je suis désolée que tu sois pas très très enfant. Alors je te propose un truc, t'oublies tout pour l'instant, et puis juste tu profites de cette petite bulle avec nous. Et puis j'espère que ça te plaira en tout cas. Bienvenue à toi. Alors, pour le mécanisme, il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 11 par 14 cm. D'accord ? Papier uni, donc là, volontairement, j'ai pris du béguin bleu comme la base de ma carte, mais encore une fois, vous prenez les couleurs qui vous plaisent. D'accord ? C'est surtout le plus important, faites-vous plaisir. Sur ce morceau de papier uni, on va venir faire des plis, une petite coupe, et puis vous allez voir, ça sera à peu près tout. Ça va être assez simple. Je vais vous montrer tout de suite, hop, le gabarit. Donc, vous voyez, c'est la même taille, hein, donc 11 par 4 cm. Nous allons sur le bord long, ici, venir faire un pli à 3 et à 6 cm. Je vais le faire en même temps que vous, vous inquiétez pas. Et je vais retourner ici, et je vais faire un pli tout le long à 1 cm, d'accord? Et ensuite, on viendra faire les diagonales ici. Le scrap me plaît énormément, je suis ancienne démo et cliente régulièrement maintenant. Ah, bah écoute, Florence, excusez-moi, j'ai eu un bug dans les commentaires. Pardon. Ok, c'est cool. Bon, bah du coup, tu continues à scraper même si t'es plus démo. Ça marche. Alors, profite de cette petite bulle. Alors, vous avez vu, Harmonie a un pull pop art pour faire une carte pop-up. Alors ça c'est bien vu, Martine. Une petite coupe champagne, bien sûr. Bien sûr. Dites donc, je vois que vous êtes en forme encore aujourd'hui, les filles, là. Hein, ça va? C'est le soleil qui... Allez, je prends mon coupe-papier et on vient tout de suite faire donc tout ceci sur notre petit morceau de papier. Je le laisse ici pour que vous puissiez voir en même temps. Voilà. Donc, je positionne mon morceau de papier avec le bord long sur le haut de mon coupe-papier. J'ai dû dire deux fois coupe-papier alors qu'une fois je devais dire papier. Ben, vous avez compris ? Je viens faire un premier pli, hop, avec ici évidemment ma partie qui plie, d'accord? La lame ici ça plie et la lame claire, pardon, et la lame foncée coupe. On fait attention de ne pas se tromper. Donc 3 cm et le deuxième pli à 6 cm. Le sens de détail. Il y a longtemps que vous n'avez pas pu m'embêter et du coup, c'est pour ça que vous racontez des bêtises de champagne et tout ça, c'est ça? J'adore. Je retourne mon papier et je viens sur le bord court cette fois faire un pli à 1 cm. Voilà. Ok. Est-ce que je le fais? Oui, je vais peut-être le faire avec ça.
Bientôt le Zoom des VIP. Oui, bientôt. Coucou Aude, James, comment ça va? Ici, je vous ai donc représenté, donc en pointillé, vous avez l'habitude, ce sont toujours des plis, d'accord? Donc, nous allons venir marquer ces deux diagonales ici par rapport à ces deux premiers rectangles de la gauche, d'accord? Il y a les deux petits qui sont sur ma gauche et le grand rectangle qui est sur la droite, ok? Donc, nos diagonales vont venir ici sur le premier rectangle et sur le deuxième, ok? Alors, c'est parti. Je vais tenter de viser correctement. Hop, je centre bien. Voilà, et je fais pareil de l'autre côté. Alors, on essaye de viser. Voilà. Ok, ça c'est fait. Alors, Aude, je te montre tout de suite le projet. Ne bouge pas. Donc, c'est une carte pop-up qu'on peut aussi insérer dans un album. Voilà, et qui s'ouvre comme ça. Voilà. Ok, donc, maintenant qu'on a fait nos diagonales, il nous reste juste une partie à couper. Alors peut-être qu'à l'image vous ne le voyez pas bien sur mon gabarit ici là. Il y a un petit trait, enfin il y a deux traits rouges. Donc cette partie-là, on va s'en débarrasser. D'accord? Donc c'est le petit rectangle en bas à gauche que l'on va couper. Voilà, comme ceci. Hop. Donc on se retrouve avec ça. Ça va? Donc, c'est parti. Maintenant, je vais juste marquer les plis. Et avant de le... J'arrive pas à l'attraper. Voilà. Avant de le coller, je vais vous donner toutes les infos qui concernent le papier que l'on va coller sur la carte. Et puis, bien sûr, après, je vous montrerai comment nous allons coller ce petit mécanisme sur la carte. Voilà, je marque mes plis. Je vous remontrerai le sens des plis tout à l'heure. Ne vous inquiétez pas. Ok, tous mes plis sont marqués. Ça, c'est bon. Alors, si vous regardez sur la carte de base, ok, donc j'ai d'abord collé le papier design ici. Et ensuite, je vais coller mon mécanisme. Donc, je vais donc maintenant vous donner les mesures des papiers pour l'intérieur de la carte. Donc je reprends ma base de cartes. Zou. Sur la partie droite, il vous faut un morceau de matage. Hop. Donc une autre couleur unie différente de votre base de cartes qui va permettre de faire ressortir en fait votre papier imprimé. Okay. Je fais des petits rappels comme ça pour les débutantes parce que j'ai tendance un peu trop à les oublier, j'en suis désolée. Du coup, voilà, parfois un petit rappel des bases, ça peut faire du bien. Donc ce papier de mattage, ici, il mesure 13,5 par 11,5. Donc il vous en faut deux, simplement pourquoi? Parce que 1 pour l'intérieur ici, et il vous faut exactement la même chose pour l'avant de la carte. D'accord? Ici, j'ai choisi volontairement de prendre du blanc, mais ça pourrait être n'importe quelle autre couleur. D'accord? Donc 13,5 par 11,5, il vous en faut 2. Je rappelle pour celles et ceux qui sont là pour la première fois, si vous n'avez pas eu le temps, par exemple, soit de faire la création en live, soit de noter tout simplement les mesures, ne vous inquiétez pas. Chaque semaine après les lives, je diffuse sur mon blog l'intégralité de ce dont vous avez besoin pour réaliser le projet, à savoir les photos, la vidéo du replay, la fiche technique avec toutes les mesures dont vous avez besoin et les schémas si nécessaire, et également la liste des produits que j'aurai utilisés pour la carte de présentation et la carte que j'aurai réalisée en live. Donc ne vous inquiétez pas, vous retrouverez absolument tout sur le blog. Donc ce papier de mattage, hop, je vous laisse, c'est pas trop haut. Voilà, les mesures ici, donc je vais venir le coller ici, ça je le mets de côté. Et par-dessus, donc, un morceau de papier imprimé.
Hop, je fais attention, j'ai un petit bout là. 13 par 11 cm. Et là encore, il vous en faut deux minimum. Un pour ici et un pour l'avant de la carte. D'accord? Vous pouvez en ajouter sur la partie gauche si vous le souhaitez. Moi, je suis partie sur du blanc sur le côté gauche pour mettre un tamponnage ici. Mais si vous souhaitez mettre du papier imprimé aussi, il suffit de prendre exactement les mêmes mesures. Donc, c'est parti. Ici, je vais avoir mon papier. Il est trop beau ce papier. C'est le recto verso, vous voyez. Donc, je vais garder cette partie-là pour l'avant de ma carte. Hop, et je vais mettre le verso ici. Pour la partie blanche ici ou l'autre papier imprimé, donc je suis restée sur la même taille que le papier de matage. Donc 13,5 par 11,5 ici. Et je viendrai mettre un petit tamponnage ici également. Donc je vais coller tout de suite ça parce que du coup j'ai besoin de le faire pour pouvoir installer ensuite le mécanisme de la carte pop-up. Hop. Voilà. Louison, ouais, il est vraiment superbe ce papier. C'est mon papier préféré de la Celebration, là, ces deux mois-là. La beauté marbrée, il est incroyable. Je sais pas si tu étais là au début du live, mais du coup, il est offert des 60 euros d'achat, Louison. Il est magnifique. Et il est dans plein de tonalités différentes. On a le flamand fougueux, par exemple. Il est vraiment incroyable. Harmonie nous chouchoute, elle est formidable. Mumu, ça suffit, tu vas encore me faire rougir. Ça vous amuse, hein? Vous êtes trop mignonne. Ok. Voilà. Alors, comme je vous ai dit que j'allais mettre un tamponnage ici, je vais... Est-ce que je vais avoir la place de le mettre? Ouais, si. Je pourrais le mettre après celui-là, parce que le mécanisme, en fait, est, comme il est très stable, voilà, je pourrais le mettre à plat et je ne serais pas gênée. Sinon, si, dans ce genre de cas, assurez-vous avant, si vous devez faire un tamponnage, assurez-vous que vous n'allez pas être gênée par le reste de votre carte. Là, c'est bon, je sais que ça pourra passer, donc je peux me permettre de le coller tout de suite et de faire mes tamponnages après. Ok, alors, je suis en train de chercher un morceau de papier qu'il me manque. Alors, c'est pas grave, je vais le recouper. Donc, ici, on a besoin d'un autre morceau de papier uni, pardon, qui mesure 10 par 10, tout simplement, qui nous permettra d'accueillir... possiblement une photo ou un autre morceau de papier design par exemple. Donc ici, 10 par 10, et je vais tout de suite le prendre pour le couper. Hop. Je suis là, ne vous inquiétez pas. Mon papier a disparu, il est là. Hop là. Zouf. Allez, 10 par 10. Et bien sûr, donc là, je vais remettre du papier blanc par-dessus. Mais votre photo, si vous en ajoutez une directement, ce que vous pouvez faire, bien sûr, et bien tout simplement, mesurera 9,5 par 9,5. Coucou Maryse, je vois qu'il y a de beaux commentaires. Merci beaucoup. Ok, et du coup, mon papier blanc... Voilà. Alors, est-ce que celui-là... Yes, pile poil. Sous 9,5 par 9,5. Voilà. Hop, donc ça. Oula. J'ai pas pris le bon. J'ai pris ma chute. Je me disais, tiens, c'est bizarre. Voilà. Maintenant, je peux coller. Je vois la carte à l'image et de loin, en fait, à l'image, je trouve que le papier, il est encore plus beau. C'est incroyable. Il est juste magnifique.
Voilà, bien. Alors, maintenant, on va pouvoir s'occuper du mécanisme. Sur la liste du matériel, vous avez dû voir apparaître un morceau de papier design qui mesure 2,5 par 2,5. Ce morceau de papier va tout simplement venir décorer les petits triangles qu'on va voir qui apparaissent. Vous voyez ici, d'accord, pour les décorer un petit peu. Ok, on a ces deux triangles là. Du coup, on ne va pas les laisser unis comme ça. On va les décorer. Donc pour ça, un carré de 2,5 par 2,5. D'accord, donc je suis toujours sur mon papier imprimé. Et on va simplement venir le couper en diagonale. Hein. Rien de plus simple. Voilà. Pour venir décorer ces petits triangles du mécanisme. Allez, hop, je centre ça. Quand vous avez du papier à couper en pointe, pensez à positionner votre lame directement sur le papier et à ne pas commencer sur une pointe au risque d'abîmer un petit peu la pointe de votre papier, de la faire rentrer vers l'intérieur. Là, du coup, si vous pointez votre lame directement au milieu du papier, par exemple, ça vous permet d'avoir de belles pointes de papier. Alors, ici, mon mécanisme, d'accord, je vais venir décorer les deux triangles qui ont la pointe vers le bas. Donc, pas le premier, le deuxième et le troisième. Parce que là, du coup, vous voyez apparaître quatre triangles. Donc, je viens décorer le deuxième et le troisième. J'espère que c'est clair pour vous. Voilà, je vérifie que vous n'avez pas ma tête dans le champ. Hop. Tac, le deuxième. Voilà, ça sera juste un petit peu plus esthétique. Élémentaire en chat Watson. Ok. Alors, la première étape, je garde tout ça. La première étape va être de venir coller les deux petits rectangles que l'on a en bas. On va venir les coller sur notre base de carte à droite. D'accord. Et ce, à droite du pli ici. Je vais essayer de vous approcher pour être plus clair. Donc, ici, vous avez le pli de votre base de carte. D'accord. Donc, c'est bien les deux petits rectangles qu'on a ici qu'on va venir coller sur la partie droite intérieure de la carte. Pour être sûr qu'on va le positionner correctement, je vais venir placer ce qui sera notre photo. Je vais juste le positionner comme ça pour me faire une idée de l'endroit où je dois le mettre. Tout simplement, je vous explique, pour que votre photo ne sorte pas du cadre de la carte. D'accord ? Donc, voilà, je vais juste le positionner. On essaye que tout soit le plus droit possible. Et en fait, on va venir faire correspondre le pli ici au pli de la base de carte. D'accord ? Voilà, je vérifie que tout va bien. Hop. Voilà. C'est bon pour tout le monde ? Est-ce que c'est suffisamment clair pour vous ? C'est pas Watson, c'est Harmony. Oui, en effet. Ok, donc j'aligne le pli ici au pli de ma base de carte. Voilà. Pour le coup, là, je vous conseille vraiment d'utiliser de la colle et pas du double face. Simplement parce que vous pourriez avoir besoin de faire des petits réglages. Hop, là, je vais biseauter un petit peu ces petits rectangles. Je trouve ça plus joli.
Élémentaire, mon cher Watson. Oh mince, je me suis trompée de life. Non, je vous jure. Ok, allez, je repositionne ça. Voilà. Très clair, tu sais très bien expliquer. Ouf, merci Cécilia. C'est parfait. Si vous arrivez à suivre, alors je suis ravie. Donc, je viens disposer ma colle. Voilà. Hop. Je vérifie toujours que c'est bien positionné ici. Voilà. Que tout soit droit. Et hop. Allez, on se lance, on colle ça. Ensuite, c'est cette partie-là qu'on va mettre, ou on, cette partie-là où l'on va mettre de la colle, pardon, excusez-moi. Donc, ici, vous avez le grand rectangle et vous avez le premier triangle. D'accord? Si vous regardez sur mon gabarit, je parle d'ici et de ce triangle-là. C'est ces deux morceaux-là que nous allons, où nous allons mettre la colle, d'accord? Pour venir ici coller notre future photo. Ok? Et vous vous doutez bien que par la suite, nous allons ici rabattre donc le petit triangle de gauche, mettre de la colle et venir ensuite tourner pour que ce petit triangle soit collé à la partie gauche intérieure de la carte et que ça permette de se relever ici. Ok? Je vous remontre la carte finie pour que ça vous aide encore plus. Donc là, on vient de coller à l'instant les deux petits rectangles ici, d'accord? Et là, je viens de vous parler du petit triangle ici qu'on va coller. D'accord? Alors, en gros, si vous regardez là-bas la carte originale que je vais vous mettre là, hop, voyez, ça va donner ça. Ok, on va avoir ici, hop, et le triangle, il va se rabattre comme ça et se coller là. Ok, c'est bon pour vous? Allez, on va coller celui-là. Donc par l'arrière, voilà, je remonte tout ça. Voilà. Et maintenant, je vais pouvoir venir coller mon petit ensemble de photos. Pour ça, hop, je mets la colle ici, donc sur le premier triangle de la droite. Et ici. Voilà, je m'aligne. Hop, là. Et c'est là qu'on va voir si ça fonctionne. Et c'est là que je suis toujours un petit peu stressée, où je commence à avoir chaud, en me disant pourvu que ça se passe bien, pourvu que ça se passe bien, pourvu que ça se passe bien. Je vais y aller doucement parce que, hop, voilà, hop, on va lui donner le pli. On aide la carte comme ceci. Et hop, c'est magique. Donc on va aider un petit peu le papier à prendre le pli comme il faut, d'accord? Pour que ça vraiment y ait une bonne mobilité. En douceur quand même, d'accord? Magique ce qu'on peut faire avec de simples morceaux de papier et de la colle, n'est-ce pas? Ok. Là. Tout va bien. Est-ce que ça s'ouvre bien? Oui, c'est magique. Ouf! C'est bon, je peux respirer. C'est bon pour vous? Tout va bien? En gros, on vient de faire le plus difficile. Hein. Ça y est, c'est fait. Tout ce qui est le plus important dans une carte pop-up, vous le savez, c'est le mécanisme. Et c'est ce qu'on vient de réaliser là à l'instant.
Donc le reste, c'est que du plaisir, c'est les finitions, la déco. Je sais qu'il y en a pour qui c'est ce qui prend le plus de temps par rapport à la réflexion, mais c'est aussi le moment le plus sympa, je trouve, en tout cas pour moi. C'est une fois qu'on a eu l'idée et qu'on sait où on va, c'est ça y est, de se mettre à assembler toute la partie déco et ça c'est fun. Alors, je vais venir ici faire un petit tamponnage et pour ça je vais jouer avec mes coccinelles. Oh ben si je les retrouve. Je les ai perdus. Ah bah soin. Alors. Coucou Marotine, comment ça va ma belle? Je vais prendre d'abord les la petite là. Donc la petite coccinelle comme ça. Et puis, bien sûr, son petit corps. Hop. Et puis, je mettrai un petit message aussi. Donc, pour cela, mon encre noire pour le contour de ma petite coccinelle. Voilà. Allez, je vais la mettre ici. Je ne suis pas mécanicienne, mes neurones vont fumer. Donc pourquoi tu serais mécanicienne? Je prends mon encre béguin bleu puisque je vous ai dit, je veux une coccinelle bleue. Hop, donc mon béguin bleu, forcément coordonné. Ah, ma routine, ouf, tu es libérée, c'est génial. Je suis contente. Et du coup, on vient. Enfin, je viens. Hop. Alors, je vais essayer de ne pas vous coller ma tête dans le... C'est ça qui est génial avec les sets de tampons, c'est que, hop, voilà, on est tranquille. Oh, regardez-moi ça comme c'est joli. Elle est pas belle ma petite coccinelle bleue? J'adore. Je savais que ça me plairait. Coucou Nadine, bah alors t'avais eu un bug? Allez, je nettoie mon tampon. Hop. Voilà, je nettoie la petite coccinelle aussi parce que du coup j'ai du noir dessus. Ma routine enfin libérée. Je suis contente pour toi ma belle. Hop. Voilà. Donc je vais ranger celle-ci. Parce que du coup, sinon je suis capable de les perdre. J'adore, ça fait trop bien, je trouve. Ça vous plaît? Je vais mettre un petit message. Lequel je vais mettre? Ah mais si, j'avais dit que je mettais le grand. Voilà, je vais alterner. Je vais prendre ce set-là qui fait partie du catalogue annuel Souhait ensoleillé, que j'adore parce qu'il a vraiment des sentiments qui sont immenses et c'est l'idéal pour ce genre de choses. Et je vais mettre que ce jour de fête soit rempli de plein de bonnes choses. Ah oui, Nadine, je comprends. Avec le petit-fils, évidemment, on ne fait pas toujours ce qu'on veut. Alors, il est où? Il est là, mon tampon. Hop. Voilà, je vais rester dans le bleu hein, parce que vraiment, je l'adore celui-là. Hop, et je vais venir tamponner mon grand message ici. Yes. J'adore. J'adore. Hop. Et maintenant, je vais procéder à la déco donc de l'avant de ma carte. Parce que du coup, il me reste un morceau de papier uni et un morceau de papier imprimé à ajouter donc au devant de cette carte. Je vais fermer ça vite fait avant de faire une bêtise. Voilà. Donc ça, pour l'intérieur, c'est bon. Et du coup, je viens m'occuper de l'avant de ma carte. Donc, j'avais toujours mon papier de matage. Donc, pour moi, le blanc qui mesurait 13,5 par 11,5. Hop. Coucou Nathalie, comment ça va? Hop, 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 voilà. Nickel. Je vais prendre mon super papier design qui est magnifique. Que je vais venir coller ici qui mesure 13 par 11. Voilà. Que je vais venir décorer. Vous allez voir, celles qui m'ont suivi pour les portes ouvertes
Merci Louison, c'est trop gentil. C'est le papier qui fait tout, hein. Alors c'est vrai que les cartes pop-up, ça a toujours du fun. Et puis là, les tampons et puis le papier, ils sont juste incroyables aussi, hein. Donc voilà, je vais ajouter un petit napperon qui normalement fait partie de la collection Bien chez soi. On a du cidre à la cannelle et du mystérieuse brume notamment. Mais du coup, hop, je vais le retourner pour avoir la partie blanche. Et je vais donc tamponner et découper une grande coccinelle, toujours en bleu. Hop, donc je prends le corps de ma coccinelle que je vais faire en noir. Je vais prendre ces... Ah, j'avais perdu. Ces petites ailes. Hop, il est où mon bloc? Il est là. Coucou gazelle, comment ça va? T'aimes bien le bleu, Louison? Bon, bah alors on est raccord, c'est parfait. Hop, et les petits points ici, hop, que je vais tamponner en noir après. Alors, normalement ça devrait le faire. Oui, c'est nickel. Donc, le corps en noir. Est-ce que vous les aviez repérés, ces petites coccinelles? Elles vous plaisent? Vous les trouvez jolies? Coucou ma... Oui, ma Fabienne, pas de problème. J'espère que tu vas bien. Je te fais plein de gros bisous. Oui, gazelle, ça va bien. Je te remercie. Allez, je tamponne le corps. Et là, je vais regretter de ne pas avoir pris mon Stamparatus, n'est-ce pas? Mais c'est pas grave. Bon, ça va. Ça pourrait être pire. Hop, je nettoie tout de suite. Je vais tamponner les ailes. Elle a quel âge? Attends, bouge pas, je vais te le dire. Je les ai perdues. 1, 2, 3. Elle a 8 ans, ma coccinelle. Hop. Les petites ailes. Hop. Voilà. Je vais ajouter donc. Alors, ah, vous les avez commandés, super. Oui, c'est une grande fille, elle a 8 ans. Ça y est, je lui mets son âge, regardez. Elles sont belles, Véronique, hein. Moi, je les adore. Puis le fait d'avoir la perfo, en fait, qui peut découper cette coccinelle, c'est vraiment le top. Je vérifie qu'il n'y ait pas ma tête. Je vais essayer de viser le mieux possible. Voilà. Ça pourrait être mieux, mais ça pourrait être pire. Ok. Ça, c'est bon. Donc, je vais pouvoir venir la découper. Hop. J'ai pris un papier un peu petit, mais c'est pas grave, ça va le faire. Ouais. Vive le Stamparatus, tu m'étonnes. Ouais, les trous, bon, ça aurait pu être mieux, mais ça aurait pu être pire, Mému, hein, t'as vu? Je vais essayer de viser correctement. Faut que je le tourne un peu plus. Ça y est. Je le sens, je le tiens. Non, je tremble pas. Du tout. Là. Hop, on ne se moque pas. Donc voilà le petit corps. Et du coup, ça y est, je vais prendre dans l'autre sens. Ça sera mieux en manie. Les petites ailes. Non, pas pile poil dedans, Mumu, parce que moi j'ai l'œil bien dessus et c'est pas pile poil dedans, mais en même temps, on va dire que ça donne un petit peu de relief, donc c'est pas dramatique. Hop. Allez, sois gentil, petit papier, dépêche-toi de te caler comme il faut. Hop, magique. Tout le monde est suspendu au ski.
Je claque dès la perfo. Mais moi, la première. Ok. Voilà. Ma petite coccinelle, elle va venir ici. Comme ceci. Et je vais lui rajouter un petit nœud en espérant que j'arrive à faire le nœud et que j'ai pas l'air complètement ridicule. Je vais prendre un petit bout de ficelle. Peu là. Qui fait partie du lot ficelle à rôti. À rôti essentiel, il y en a plusieurs couleurs dedans. Et du coup, hop, je vais juste l'atteindre avec. Oui, je sais pour le coup du gabarit, mais j'aime pas ça en fait. C'est galère pour moi. Mais je l'ai fait, hein. D'ailleurs, il est peut-être même dans mon. Oui, il est fait le gabarit. Hop, je prends mes feutres à alcool et je viens teinter ma ficelle. Comme ça, elle va être coordonnée au reste. Ceci dit, j'aurais pu la laisser blanche, hein, mais c'est aussi pour vous montrer que du coup, on peut faire ça, c'est magique. Voilà. Hop. Je vais lui faire le petit nœud. C'est vraiment tout simple, hein. Tout simple, tout simple. Un petit nœud, voilà. J'ai laissé un petit peu de blanc sur la ficelle, du coup, ça fait comme si elle était bicolore. C'est vraiment top. Hop. Je vais serrer un peu là. Voilà. Ça, je vais pouvoir venir lui mettre son petit nœud ici. Et juste le petit truc tout simple mais super joli. Merci Cécilia. Je vais juste découper un petit bout de papier pour mettre par exemple c'est ta journée puisque ça va être une carte d'anniversaire pour moi. Alors ah il est là. Voilà. Hop. Merci Marianne, je t'avais pas vu, comment tu vas? Voilà mon encre. Là, je vais le tamponner en noir. Voilà, c'est tout petit, mais c'est très bien comme ça. Hop, une petite étiquette toute mimi. Ça bug, Sandrine? Alors, je crois que je vous ai perdu en cours de route, mais du coup, je vais quand même finir. Alors. Hop, je sais que du coup la vidéo va être partagée ensuite. Donc je vais juste terminer la création de cette petite étiquette. Voilà, que je vais ajouter donc à la déco de ma carte. Tout simplement, voilà. Ça va être très très simple. Zou. Donc ça va venir ici, ça va venir ici. Et puis du coup, je vais rajouter ma petite étiquette comme ça. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Et puis, pour terminer, je vais mettre des petits cristaux du Rhin irisés qui sont vraiment super jolis. Voilà. Pour donner, bien sûr, un petit peu de brillant et de peps à cette carte. Alors, je vais juste vérifier si... je peux. Ah bah si, je vous retrouve. Ça ira mieux. Pop-up, je ne comprends pas toujours. Ça y est, je vous retrouve. Je pense que c'est toujours diffusé. Hop. Ça y est, vous avez l'air de revenir. Alors, je vais juste vérifier. Ça y est.
Est-ce que c'est bon pour vous? Je suis désolée pour ce petit bug, du coup j'ai dû perdre la connexion en cours de route, mais normalement l'enregistrement se fait toujours. Voilà. Hop. Alors, est-ce que je vous ai toujours ou pas? Je ne sais pas. Bien, écoutez, je vais de toute façon finaliser cette petite carte et puis normalement la vidéo devrait se faire correctement. Hop là. Je n'arrive pas à savoir si vous êtes toujours en live ou pas. Moi, j'ai l'air d'y être toujours. Mais ça a l'air de bugger un petit peu. Ok. Toudou, toudou. Ça bip de partout. Alors. Ça a l'air de planter, mais bon, j'espère que je vais pouvoir finir la vidéo, que vous pourrez la voir entièrement en replay. Donc voilà à peu près ce que va donner donc la carte. Hop. Je vais finir de coller tout ça hors caméra et du coup je la publierai ensuite. Ce sera plus facile. Voilà. Et puis ça vous évitera de perdre du temps parce que du coup je ne sais pas si je suis toute seule ou non pour la fin de ce live. Dans le doute, quand même, j'en profite simplement pour vous remercier d'avoir été si nombreuses à ce nouveau premier live de l'année. J'espère que vous aurez passé un bon moment malgré tout. Heureusement, le bug est arrivé à la fin de la création, ça me rassure. Du coup, faites-vous plaisir pour la déco. Voilà, j'espère voir plein de créations suite à ce live. N'hésitez pas à partager les vôtres avec le hashtag HarmonyScrap. Comme ça, moi, Facebook me notifie en fait pour me dire coucou. Tu peux aller voir une belle carte. Voilà, donc moi j'adore pouvoir voir vos créations, donc n'hésitez pas surtout. Et puis n'oubliez pas, hein, rejoignez mon équipe et faites jusqu'à 107 euros d'économie jusqu'au 28 février grâce à la Celebration. Ou bien choisissez parmi plus d'une dizaine de cadeaux offerts dès 60 euros et par tranche de 60 euros d'achat. Voilà, je reste à votre disposition si vous avez des questions à me poser. Je suis là pour ça, c'est avec grand plaisir. Et puis en attendant, je vous souhaite une excellente après-midi. Prenez bien soin de vous. Et on se retrouve dès la semaine prochaine, bien sûr, pour un nouveau live créatif dont je vous dévoilerai le sujet, vous le savez, samedi à 11h, comme chaque semaine. Voilà, je vous embrasse très très fort et à très bientôt. Bye bye!